Bonjour à tous, heureux de vous accueillir virtuellement au siège de l'Académie des sciences et des lettres de Montpellier. J'espère que vous êtes nombreux devant votre ordinateur à nous regarder. Un peu particulier cette séance, elle est donc filmée pour vous permettre d'assister à cette conférence qui va vous être présentée pour bien sûr combattre les risques pandémiques que vous connaissez. Nous espérons bien sûr de pouvoir reprendre ces séances en présentiel le plus tôt possible, mais nous naviguons à vue, comme vous le savez, et il est impossible de s'engager sur des dates précises. Aujourd'hui, nous accueillons Béatrice Bacouche, qui est la présidente de la section lettres de notre académie, et que va vous présenter notre secrétaire perpétuel, Christian Nick. Monsieur le Président, la tradition dans notre académie veut que la conférencière ou le conférencier soit présenté par le président ou la présidente de l'une de nos trois sections. Madame Bacouche, qui est littéraire, devrait donc être présentée en principe par le président de la section lettres de l'académie. Mais c'est Madame Bacouche qui elle-même préside cette section lettres, dont je suis moi-même membre. C'est donc en tant que suppléant ce soir de la présidente Bacouche que je vous présente la professeure Bacouche. Enseignante et chercheure à l'université Paul Valéry, elle a pour spécialité la transmission des idées, des savoirs, des croyances de la Rome impériale jusqu'à la Renaissance. Elle a publié plus d'une dizaine d'ouvrages et de très nombreux articles. Elle a contribué à plusieurs revues reconnues dans son champ. Et elle dirige notamment elle-même Viva Latina. Elle a participé à beaucoup de colloques, fait de nombreuses conférences à l'étranger et en France, bien sûr. Elle est, dans son champ, une personnalité connue, appréciée, reconnue, de premier plan. Elle est académicienne, Monsieur le Président, de notre compagnie depuis 2016 et elle y occupe le fauteuil 13 de la section des lettres qu'elle préside, comme je l'ai dit tout à l'heure. Le titre de sa conférence de ce soir, Hercule à Montpellier, a quelque chose d'énigmatique. Je suis certain que nous allons prendre et plaisir et intérêt à l'écouter, et je lui cède donc la parole. Merci infiniment, chers confrères, pour votre présentation. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers consoeurs, chers confrères qui nous écouteraient, mesdames et messieurs, une nouvelle académie souffre aujourd'hui de façon originale et inédite, comme la période que nous ne cessons de traverser, par une conférence publique sans public. Parler d'Hercule à Montpellier, comme je me propose de le faire avec vous aujourd'hui, c'est étudier les figures représentées sur un des monuments de Montpellier, sur l'une des faces très exactement de l'Arc de Triomphe ou Porte du Pérou, qui marque l'entrée du centre historique de notre ville, l'Écusson. Quand on observe l'arc de la rue Foch, on voit s'encadrer sous la voûte et dans le prolongement de la rue la statue équestre de Louis XIV ainsi que le château d'eau, mais qui ne concerne pas mon propos parce que sa construction est postérieure. La construction architecturale qui assure un continuum, en fait, depuis l'Écusson jusqu'au château d'eau, peut suggérer un programme défini a priori. En réalité, ce n'est pas tout à fait exact. L'Arc de Triomphe se situe entre les deux vignettes suivantes, l'une du Moyen-Âge et l'autre du début du XIXe siècle. La porte du Pérou, antérieure à l'Arc de Triomphe, est visible en effet sur le plan Münster de la ville médiévale. C'est la tour qui est située entre le palais, désigné par un E, sur le plan, et les tours de la cathédrale, désignées par un D. Le plan étant assez petit, j'ai mis des flèches pour repérer et situer du coup la porte. Quant à l'autre document, c'est un document iconographique qui date du début du XIXe siècle.
Il s'agit d'une aquarelle magnifique, signée de Ménard de Clapier, qui sert de prétexte à la représentation d'un déploiement d'uniformes et de toilettes. C'est un document exceptionnel, à la fois par sa qualité artistique et par son intérêt historique. On est en 1815, en effet. Il s'agit de l'entrée du duc d'Angoulême, qui est le fils du futur roi Charles X, à Montpellier, par la porte, justement, du Pérou. Par rapport à cette reproduction, aujourd'hui, la porte même a disparu, et le demi-cercle qui se trouvait au-dessus du cadre de la porte, également. L'inscription du haut, qui était l'inscription de Louis XIV, sur laquelle on reviendra tout à l'heure, était du côté ville, alors que maintenant il est côté Pérou. Les petits cadres en marbre qui se trouvent au-dessous des médaillons sur lesquels nous allons nous arrêter ont l'air de porter une inscription. Et puis nous avons également deux structures dont je ne sais pas exactement à quoi elles pouvaient servir, à l'avant de la porte, collées d'ailleurs à elles, qui ont également aujourd'hui disparu. Entre ces deux vignettes, car le monument qui nous intéresse a été érigé en 1591 par Augustin Charles d'Avillers, architecte de la province du Languedoc, sur des dessins effectués par François d'Orbay. C'est la troisième étape, en réalité, d'un processus qui commence en 1685, quand le roi Louis XIV lui-même a désigné Montpellier, et non Toulouse, qui était candidate aussi, pour recevoir une statue équestre à son effigie. Cette statue devait prendre place au cœur de l'esplanade du Pérou, où l'actuelle statue du roi, d'ailleurs, n'est pas le monument original. C'est en réalité une copie qui a été érigée en 1838, durant la monarchie de Juillet. Elle est deux fois plus petite, en fait, que la statue originelle, qui ne devait être installée, en fait, que 33 ans après la décision de Louis XIV, en 1718, soit 3 ans après la mort du souverain, et ce, après un transport de 6 mois en bateau. Donc, une grande œuvre, en fait, qui a disparu, puisqu'elle avait été supprimée au moment de la Révolution. Et c'est vraisemblablement pour y recevoir la statue que la promenade du Pérou a été aménagée en place royale à partir de 1689. On le voit, le programme s'est construit en fonction de la décision royale et du lieu d'implantation prévu dès le départ de la statue. Bref, la construction de la porte du Pérou constitue la troisième étape de ce programme, construction indispensable au demeurant pour désenclaver la promenade qui se trouvait de facto hors les murs. En effet, comme l'écrivait Jacques Perron en 79, à la fin du XVIIe siècle, les intendants royaux décidèrent de doter la ville d'une place royale et d'un arc de triomphe, comme on le faisait en fait dans toutes les capitales provinciales. Et ils choisirent une implantation originale par rapport aux autres villes, hors la ville, au puits d'Arquinelle, que nous appelons de nos jours le Pérou. Donc conception très originale, car au lieu de fournir un cadre scénographique bâti au sein de la ville, donc finalement un peu artificiel, pour la statue, elle utilise le grandiose panorama des Cévennes et du Pic Saint-Loup vers le nord, des étangs et la mer vers le sud. On le voit, c'est un projet réalisé par des Montpelliérains, certes, mais téléguidé depuis Paris, conçu et voulu par le souverain. Comment se présente ce monument ? Construit de 1691 à 1692 sur l'un des points les plus hauts de la ville, enfin à une altitude tout de même de 52 mètres, donc on peut gravir cette hauteur, il donnait accès au puits d'Arquinelle, lieu qui était pierreux, d'où le nom de Peyrou, en occitan. Avant sa construction, un pont-levis permettait de franchir un fossé qui délimitait les remparts de la commune clôture, comme on l'appelait. Il est remplacé à ce moment-là par un pont de 28 mètres de large,
Et bien que plus petit que la porte Saint-Martin de Paris, qui a vraisemblablement servi de modèle, nous y reviendrons, le monument montpelliérain de style néoclassique mesure tout de même 15 mètres de haut et 18 mètres de large. Son portique a une ouverture de 4,70 m de large et de 7 mètres de haut. L'ensemble a été construit, il faut le savoir, avec des pierres de la région provenant des carrières à l'époque de Pignan, de Saint-Jean-de-Védas, de Saint-Geniès et de Vendarc. Sa situation au point le plus élevé de la ville et sa taille par rapport aux constructions environnantes qui étaient obligatoirement moins hautes symbolisent la place occupée par Louis XIV. Il est en effet au-dessus de ses sujets, ce qui illustre sa devise, enfin, qui est très, dans l'interprétation, est toujours très difficile, nec pluribus impar, dont le sens donc n'est pas univoque, mais que l'on peut entendre par au-dessus de tous. Car le roi est effectivement présent sur l'arc par divers symboles. C'est d'abord la frise qui sépare l'arche de l'attique, qui est la dernière partie de l'Arc de Triomphe, qui est ornée de beau soleil, un astre qui éclaire le monde, comme Louis XIV souhaitait le faire sur l'Europe. La frise se divise à la manière antique en compartiments, sur lesquels sont également sculptées les initiales royales, deux L entrelacées en alternance avec des attributs guerriers. Et ces attributs, d'ailleurs, se retrouveront également, nous y reviendrons, sur les rectangles qui surmontent les médaillons, dans une insistance qui, d'emblée, offre du roi sa face guerrière. Juste au-dessous de la frise, au centre de l'arc, trône le blason du roi, d'azur aux trois fleurs de lys d'or, autour duquel on reconnaît le grand cordon de l'ordre du Saint-Esprit. Il est surmonté, en outre, de la couronne royale. Pour respecter le temps qui m'est imparti, je ne parlerai que des médaillons qui portent justement la figure d'Hercule. C'est pour ça que se justifie le titre de ma communication. Les médaillons de la face ouest sont en effet consacrés aux faits d'armes de Louis XIV en Europe. L'un nous présente une femme assise sur un trône, la tête laurée, symbole de la victoire et tenant le soleil dans sa main gauche. Elle prend les clés tendues par une femme, ses pieds reposent sur la gueule d'un lion mort. Cette scène allégorique symbolise la France tenant l'emblème de Louis XIV, le soleil, et prenant les clés des villes conquises par le roi. L'inscription, en bas du médaillon, se lit « Sub oculis ostium Belgii archibus expugnatis » après la victoire sur les forteresses de Belgique, sous les yeux des ennemis. Pour certains, ce serait une allusion à la prise de Namur en 1692. C'est possible, mais la célébration de cette victoire qui date de la même année que la construction de l'Arc de Triomphe me paraît très rapide. De l'autre côté donc de l'arche se trouve le médaillon de gauche qui représente, lui, un homme nu et couronné par la victoire et qui, en nouvel Hercule, a terrassé un lion et d'ailleurs aussi du même coup à côté de lui un soldat vaincu. Il symbolise Louis XIV, vainqueur des nations conjurées contre lui. La légende, sous les pieds du héros, précise en effet « Fusis terra mariquae, conjuratis gentibus » après avoir mis en fuite sur terre et sur mer, après avoir défait sur terre et sur mer les peuples coalisés. Ce que certains ont interprété comme une allusion à la victoire française sur l'Angleterre et l'Autriche. La figure herculéenne du personnage au centre du médaillon se reconnaît aux attributs traditionnels de la figure mythologique. La massue, ici sous la main droite du personnage, et la peau de lion qui s'enroule autour de son corps. Ces deux éléments réfèrent incontestablement au premier des 12 travaux d'Hercule et à sa victoire sur le lion de Némée. La nudité de l'homme
était un choix de la statuaire antique pour représenter des dieux ou des personnages divins. Nous y reviendrons. Les médaillons sont reliés aux rectangles qui sont immédiatement au-dessus d'eux. Dans la partie du haut, en effet, au-dessus du médaillon de droite, le premier médaillon sur lequel on a travaillé, se trouve un assemblage de cuirasses avec des clés qui se trouvent au milieu et qui offrent un écho avec le premier médaillon sur lequel qu'on a observé tout à l'heure. Et de l'autre côté, on a de la même façon d'ailleurs des cuirasses, des tuniques, dont le vainqueur peut-être, qui sait, se serait dépouillé pour accéder à une stature divine, puisque c'est un assemblage qui se trouve au-dessus de la figure d'Hercule. Les médaillons, par leur disposition, c'est vrai pour la face, cette face de l'Arc de Triomphe, c'est vrai aussi pour l'autre face, offrent une lecture à la fois horizontale et verticale, donnant une grande cohésion à chacune des deux faces. Ils sont en effet reliés horizontalement entre eux par le motif de la dépouille du lion, et chacun verticalement avec le rectangle du dessus, où se retrouve la répétition de mêmes motifs, comme celui des clés, déjà présents sur les médaillons. Avant de venir au cœur de mon propos, il convient bien entendu de s'arrêter sur l'inscription visible sur l'attique du monument, dont je donne la traduction, mais vous l'aurez tous compris, c'est l'inscription veut dire « C'est au terme des 72 années du règne de Louis le Grand que la paix a été obtenue en 1715, la date est donnée en chiffres arabes à la fin de l'inscription, sur terre et sur mer, après qu'a été défaite, réprimée, gagnée à sa loi, dans une guerre de 40 années, une coalition de peuples. » Sur cette inscription, quelque peu testamentaire, quelle est donc cette guerre de 40 ans? D'aucuns ont pensé qu'il s'agissait là de la victoire sur l'Espagne, en particulier, direction que désignerait le bras de Louis XIV sur son cheval. Comme la statue regarde vers l'ouest, le bras étendu étendu vers le sud, mais cette direction géographique n'a peut-être pas de signification particulière. Il faut se souvenir que la statue équestre a été fabriquée à Paris et que les Parisiens, je doute qu'ils aient eu les plans exacts de la promenade du Pérou. En revanche, la promenade du Pérou et ses terrasses offrent un très large panorama à 180 degrés permettant aux promeneurs de contempler des Pyrénées au sud jusqu'aux Cévennes au nord. Plus généralement, il semble que les 40 années de combat renvoient à l'ensemble de la carrière militaire du roi. Ainsi, la fin, heureuse pour les armées de Louis XIV, des guerres dont la nature est précisée sous certains médaillons, est convoquée par la figure mythologique d'Hercule. Ce n'est pas le seul monument de l'époque de Louis XIV où cette figure apparaît. On le voit aussi, précisément, sur la porte Saint-Martin à Paris, dans les Écoinçons, dont l'Arc de Triomphe de Montpellier serait une petite sœur. La porte Saint-Martin est antérieure de quelques années à la construction de la porte du Pérou. Elle a été construite en effet en 1674 par Pierre Bullet. Le monument actuel, quatrième du nom, est un arc de triomphe de 18 mètres de haut construit en pierre calcaire, donc plus haut que l'arc de triomphe, et l'attique, donc la partie supérieure, est en marbre. Dans un décor de bossage vermiculé, les sculptures sont l'œuvre de Martin Desjardins et Gaspard Marcy d'un côté, du côté face à la ville, d'Étienne Lehongre et Pierre Legros face au Faubourg Saint-Denis. C'est à cette partie que je vais m'intéresser. En effet, du côté donc, du Faubourg Saint-Denis, nous avons
à droite, dans l'équation de droite, on peut contempler la prise de Besançon qui montre la renommée, un personnage féminin ailé qui se trouve dans la partie supérieure de la sculpture, tenant une trompette de sa main droite. Et le roi est assis devant un arbre et reçoit les clés d'une ville des mains d'une femme agenouillée. L'habillement du souverain n'est pas celui d'un chef de guerre de son époque, mais plutôt celui des héros antiques. À demi nu, ses épaules sont recouvertes d'un voile et sa taille est ceinte d'une tunique. À gauche, la rupture de la triple alliance, c'est ainsi que se nomme la sculpture de cet écoinçon, par Étienne Le Hong, présente Louis XIV. Alors, on le reconnaît parce qu'il a la perruque sur la tête, mais nu par ailleurs, tenant sa massue de sa main droite et la peau du lion enroulée sur son bras gauche, tandis qu'il foule au pied un ennemi. Une femme ailée, sans doute la victoire, lui pose une couronne sur la tête, un petit peu dans la même scénographie que sur l'un des médaillons de Montpellier. Sur cette face, la dédicace évoque incontestablement les victoires de Louis XIV à l'est et au sud, à Louis le Grand, après la double prise de Besançon et de la région des Sequanes, et après sa victoire sur les armées des Germains, des Espagnols et des Bataves, le préfet des marchands et l'échevin de Paris en 1674. L'énumération des peuples ennemis, plus large que sur le monument de Montpellier, peut énumérer les mêmes ennemis que ceux qui sont dits coalisés, cela apparaît sur l'inscription de la porte du Pérou. Dans les deux écoinçons de la porte, de cette porte parisienne, on retrouve donc exprimé peut-être plus finement sur le plan technique les éléments des deux médaillons de l'Arc de Triomphe de Montpellier. Le roi est une fois de plus mythifié sous la figure d'Hercule et les personnages féminins représentent des allégories à la façon antique. La conjonction de ces deux références à Hercule sur les deux portes, loin d'être un hasard, relève sans doute de la volonté délibérée du souverain de chanter sur le mode antique ses victoires militaires. Pourquoi avoir choisi sur ces deux monuments la figure d'Hercule alors? Quel sens lui donner? Le mythe est convoqué pour célébrer un roi capable de vaincre des peuples coalisés, un surhomme qui est seul à pouvoir remporter des victoires dignes des héros de la mythologie. Et ce héros qui est convoqué, Hercule, est le héros le plus populaire et le plus célèbre de toute la mythologie classique. Les légendes où il figure constituent un cycle entier, en perpétuelle évolution en plus, depuis l'époque préhellénique jusqu'à la fin de l'Antiquité. Le nom grec de ce héros, Héraclès, qui a donné Hercule en français et qui traduit le Herculus latin, n'est pas celui que le héros portait à sa naissance. C'est un nom mystique, qui lui fut imposé par Apollon, soit directement, soit par l'intermédiaire de la Pythie, au moment où il devint le serviteur de Junon, soumis aux travaux qu'elle lui imposait, bien sûr, indirectement. On verra pourquoi tout à l'heure, comment expliquer la vindicte de Junon à l'égard d'Hercule. À l'origine, en effet, le fils d'Amphitryon et d'Agmène s'appelait Alcide, fils d'Alcée, du nom de son grand-père paternel. Mais en réalité, le véritable père d'Hercule, vous le savez tous, c'est Jupiter, qui avait profité de l'absence d'Amphitryon, parti en expédition, pour tromper Agmène en prenant la forme et l'aspect de son mari, et au cours d'une longue nuit qu'il a prolongée à dessein,
engendrer le héros, au sens d'ailleurs premier du texte, le demi-dieu Hercule, le fils d'un dieu et d'une mortelle. Vous comprenez pourquoi maintenant Junon, Héra, la déesse constamment trompée, voulait régler ses comptes avec Hercule. Et donc c'est à elle qu'on doit les 12 travaux d'Hercule, les 12 tâches, toutes jugées impossibles, mais que le héros réussit à accomplir. Alors, je donne donc dans une vignette la liste des 12 travaux. Il n'est pas question, bien entendu, ici, de développer chacun de ces travaux, d'autant que celui qui nous intéresse, c'est le premier, c'est le lion de Némée. Le lion de Némée, c'est un monstre, frère du sphinx de Thèbes, qui ravageait le pays de Némée et en dévorait hommes et animaux. Ce lion habitait une caverne à deux issues et était invulnérable. Hercule lui-même avait commencé à tirer des flèches sur ce lion, mais en vain. Alors, le menaçant de sa massue, il le force à entrer dans sa caverne par une issue, certainement après avoir fermé la seconde. Et là, il finit par s'en saisir et par l'étouffer entre ses bras. Quand le lion est mort, Hercule l'écorche, se revêt de sa peau et la tête de l'animal lui sert de casque. Les représentations du personnage sur les monuments étudiés le dotent de la massue et de la peau du lion qui sont des véritables signatures du héros. En revanche, nous avons conservé une pièce magnifique en fait, unique. Un buste fameux qui est conservé actuellement au Palais des conservateurs à Rome et dont la mise est conforme à la représentation conventionnelle d'Hercule. Ce buste, c'est celui de l'empereur Commode qui a été empereur romain à la fin du second siècle. C'est un buste en marbre qui paraît en fait être un apesanteur et qui paraît reposer sur une base qui paraît très très peu solide. Donc cette espèce de prouesse technologique attire l'attention de l'observateur. Mais ici, ce qu'on peut voir, c'est que l'empereur est représenté exactement comme le raconte la légende. Il a en guise de casque la gueule du lion, il noue les deux pattes avant sur sa poitrine, la peau donc du lion tombant certainement dans son dos, et il a toujours dans sa main droite la massue. La main gauche, en revanche, tient des pommes, qui sont les pommes du jardin des Hespérides et qui renvoient au 12e des travaux d'Hercule. Donc on a ici un intérêt pour la figure d'Hercule qu'on trouve à la fin du second siècle, mais pas seulement, on y viendra tout à l'heure. J'ai cherché à Montpellier si on n'avait pas une statue d'Hercule aussi, pourquoi pas, et j'en ai trouvé une au musée des Moulages qui est hébergée à l'université Paul Valéry. C'est la sculpture d'un homme entièrement nu, mais on l'a identifié comme étant Hercule parce que effectivement dans sa main gauche, il avait des pommes, et donc renvoyant au 12e des travaux d'Hercule. C'est le seul indice qui a permis de nommer cette statue. Le buste sculpté de Commode présente également les caractéristiques de la figuration de la constellation d'Hercule sur les cartes stellaires. On a une constellation qui s'appelle la constellation d'Hercule et elle présente exactement les caractéristiques de cette constellation. Constellation qui est décrite par le bibliothécaire d'Auguste, Hygin, dans un livre qu'il a consacré à l'astronomie.
Il écrit en effet, selon Ératosthène, qui était un astronome de l'époque hellénistique, qui écrit en grec et qui est du second siècle à peu près avant notre ère, eh bien, selon lui, dit-il, c'est Hercule placé au-dessus du dragon et prêt pour le combat, tenant dans sa main gauche une peau de lion, dans la droite une massue, en plein effort pour tuer le dragon, gardien des Hespérides. Donc là, vous voyez qu'on joint aussi dans la représentation de la constellation, c'est le premier et le dernier des travaux d'Hercule. Mais on le voit aussi, le ciel que connaissaient fort bien les anciens, parce qu'eux, ils observaient le ciel, il n'y avait pas des lampadaires pour occulter le paysage stellaire. Eh bien, les anciens connaissaient bien le ciel, et d'ailleurs se repéraient par rapport à certaines étoiles. Eh bien, cette partie du ciel, d'après le témoignage de ce bibliothécaire, devient un lieu d'affrontement entre divers personnages mythiques. Un autre élément largement exploité dans la réception de la figure d'Hercule, c'est sa mort. Mort terrible, s'il en est. Elle est due en effet à une tunique qui lui a été donnée par son épouse Déjanire, qui la croyait magique et susceptible de lui rendre l'amour de son mari, mais qui en réalité était empoisonnée. Quand le héros s'en revêt, le tissu lui colle à la peau et il ne peut s'en débarrasser. Le tissu lui colle au corps, pardon, et le héros ne peut s'en débarrasser qu'en s'arrachant la peau. Ces atroces souffrances le conduisent à faire ériger son propre bûcher funèbre sur lequel il monte et auquel il fait mettre le feu. Pendant que le bûcher brûle, le héros disparaît, enlevé au ciel sur un nuage. Le poète Ovide, qui a vécu à l'époque d'Auguste, premier siècle de notre ère, on va dire, enfin fin du premier siècle avant, début du premier siècle après, se fait l'écho de ce dénouement. Nous pouvons lire en effet, au livre 9 des Métamorphoses, tout ce qu'avait pu dévaster la flamme, Vulcain, le dieu du feu, l'avait emporté, et la forme d'Hercule ne restait plus reconnaissable. Il n'a plus rien qu'il tire du côté de sa mère, c'est-à-dire du côté des mortels, et garde seule l'empreinte de Jupiter, c'est-à-dire son côté divin. Le Père tout-puissant au sein des nuées l'emporte et sur son quadrige l'enlève parmi les astres radieux. Dépouillé de sa partie mortelle, il devient Dieu et compte désormais parmi les immortels, ayant mérité cette gloire par ses travaux, au sens très fort au sens fort d'exploit, par sa valeur et surtout par ses souffrances. À l'époque hellénistique et romaine, cet enlèvement au ciel porte un nom, c'est une apothéose, qui est le sort réservé aux êtres d'exception et sera largement exploité dans la littérature dès la fin de la République, dès la fin du premier siècle avant notre ère, et sur le plan politique par les empereurs romains. S'agissant d'Hercule, son apothéose est une apothéose dite astrale, souvenons-nous des astres radieux d'Ovide, dans la mesure où une constellation est dorénavant assignée et associée à la représentation de ce nouveau dieu. Alors bien sûr, on a tendance à lire les légendes au premier degré, comme des beaux récits, comme des histoires fabuleuses, racontant les vicissitudes des héros, des dieux ou des demi-dieux. Or, il n'en est rien. Le mythe a toujours une valeur, un sens profond, ou plutôt plusieurs. Chaque époque s'en saisit. Chaque époque l'investit pour le charger d'une signification, en l'occurrence s'agissant d'Hercule, une signification le plus souvent politique. Et le premier à avoir exploité cette figure sur le plan politique, c'est Auguste. Qui était Auguste ? Il deviendra le premier empereur de Rome. Initialement, c'était le fils adoptif de César et il s'appelait Octave ou Octavien, en latin Octavianus.
Tout jeune homme, au moment de l'assassinat de César en 44 avant notre ère, il avait à peine 18 ans, il se pose un héritier du dictateur, au même titre que Marc-Antoine, qui était alors consul, et Lépide, le lieutenant de César. Le jeune homme arrive à se débarrasser de ses rivaux, hommes politiques puissants, militaires aguerris, et se retrouve seul à la tête de Rome en 31, après la bataille de Pharsale, la bataille navale dont il sort vainqueur de Marc-Antoine. Il institue alors à Rome, sans modifier le moins du monde des institutions, un pouvoir personnel qui va durer jusqu'à sa mort, en 14 de notre ère. Il va donc régner, on peut dire, pendant 45 ans. Il accomplit une révolution en douceur, en instituant un pouvoir monarchique, un pouvoir personnel, un pouvoir unique, au sein d'un peuple dont la mémoire collective était depuis fort longtemps marquée par la haine des rois. Octave Auguste a vite compris l'importance des images comme outil de propagande. C'est le premier princeps, c'est le titre qui s'est fait attribuer, mais aussi le premier chef pour lequel on a des témoignages irremplaçables sur la façon dont il a consciemment et consciencieusement chevillé art et politique, sur la façon dont il a exploité une certaine vision du chef à travers des constructions, des édifices, des statues, sur fond de changements politiques fondamentaux et irréversibles, qui plus est. Or, la figure herculéenne n'est pas indifférente au premier princeps. Elle se trouve cryptée dans un passage des Res Gestae. Res Gestae, on peut le traduire par les exploits. En français, de Res Gestae, on a tiré la chanson de gestes au Moyen-Âge. Les gestes, c'est pas des gesticulations, c'est la chanson des exploits des héros, des combattants. Et dans ce passage, le prince qui pèse tous ses mots, parce que c'est quand même en quelque sorte son testament politique, évoque ses succès militaires qui ont permis d'agrandir l'Empire, en particulier les conquêtes de l'Elbe jusqu'à Gadès. Il écrit « Les provinces de Gaule et d'Espagne, ainsi que le secteur océanique de la Germanie, j'ai pacifié tout cela de Gadès à l'estuaire de l'Elbe. » C'est une expression avec laquelle on peut trouver des échos dans une des inscriptions de Louis XIV sur une des portes qu'on a étudiées tout à l'heure. Gadès était associé aux fameuses colonnes d'Hercule qui auraient été implantées à cet endroit par l'ancêtre même d'Alexandre. Le mythe du conquérant macédonien est donc intrinsèquement lié à celui d'Hercule. Les deux figures se fondent ici pour faire du premier prince romain l'émule de ces êtres hors du commun. Et la conjonction des deux images pose encore mieux le prince comme un parfait maître du monde. Ce tour de force, avoir instauré ce pouvoir personnel, tient sans doute à la lassitude d'un peuple qui a été accablé par 3 guerres civiles en moins d'un siècle, mais tout autant à l'habileté du jeune homme qui sait utiliser, ou d'ailleurs susciter, toutes les opportunités pour se poser comme un être d'exception et même d'ailleurs comme un libérateur. Et les mythes sont à l'occasion fort utiles. En effet, même si la prédilection d'Auguste pour Apollon est indéniable, tout autant que la dimension solaire de ce dieu, la figure d'Hercule présente 3 spécificités qui intéressent spécialement Auguste. C'est d'abord un demi-dieu. Ensuite, il remporte des victoires jugées impossibles sur des monstres indomptables et quasiment invincibles. Enfin, il connaît, après la mort du corps, une apothéose astrale. On dirait que, mine de rien, Octave Auguste s'est calé sur le destin du héros.
C'est ainsi que pendant les Jeux funèbres à la mémoire de César, qu'il organisait quelques mois après l'assassinat de son père adoptif, apparaît dans le ciel de Rome un nouvel astre, sans doute une comète. Le jeune homme exploite immédiatement cette apparition, qu'il ne définit sûrement pas comme une comète qui était jugée de mauvais augure dans l'Antiquité. Cette apparition, pour lui, il en fait le signe de l'apothéose du dictateur défunt, de l'apothéose de l'âme de son père adoptif. Après quoi, le Sénat donnera ou fera donner à César le titre de Divus, pas Deus, Divus, divin. Tout de même, cela lui confère le statut égal à celui des dieux, et d'ailleurs, cela permettra aussi l'érection d'un temple à la mémoire de César. Du coup, son fils, par ricochet, devient un demi-dieu. Octave va plus loin. En se faisant attribuer un titre jamais donné jusque-là à un homme d'ailleurs, ni à une femme d'ailleurs, celui d'Augustus. Au soir de sa vie, dans son testament politique, dont il a déjà été question, il explique le sens qu'il a donné à ce titre. Pendant mon 6e et mon 7e consulat, après avoir éteint les guerres civiles, étant en possession du pouvoir absolu avec le consentement universel, je transférai la République de mon pouvoir dans la libre disposition du Sénat et du peuple romain. Pour ce mérite, je fus appelé Auguste par Senatus Consulte. Et d'ajouter, depuis ce temps, je l'emportais sur tous en autorité, mais je n'avais pas plus de pouvoir que tous ceux qui ont été mes collègues dans toutes les magistratures. Et on voit bien d'ailleurs dans cette dernière phrase que on a toujours des magistrats, les consuls, les prêteurs, etc. Mais sans pouvoir. Le seul pouvoir, en fait, est entre les mains d'Auguste, est entre les mains du prince. Donc on a un curieux témoignage pour justifier en passant un titre exceptionnel qui mettait le prince à la fois au-dessus de tous et au même niveau que ses collègues. Donc ce titre lui aussi a fait couler beaucoup d'encre, comme la devise de Louis XIV, mais de facto, il place son titulaire au-dessus des hommes, dans un entre-deux entre les dieux et les hommes, donc comme un demi-dieu. Le mythe d'Hercule n'est donc pas neutre. Le héros, après ses exploits, se voit ouvrir les portes du ciel. C'est aussi ce qu'espèrent les empereurs. Ce lien privilégié d'Auguste avec Hercule n'était sans doute pas ignoré des contemporains, puisque le poète Horace, par exemple, évoque l'apothéose astrale qui attend Auguste après sa mort en la comparant à celle d'Hercule. Je cite « Par une pareille valeur Pollux, l'errant Hercule, ont gravi jusqu'en haut les hauteurs enflammées et, couché parmi eux, Auguste aux lèvres pourpres s'abreuve de nectar. » Bien entendu, le nectar, la nourriture des dieux. Donc on a un dieu, mais un dieu astral, un dieu qui se trouve dorénavant dans le ciel. L'utilisation subtile d'Hercule suffit à exprimer l'écrasante tâche qui repose sur les épaules du prince, semblable dès lors à celle du héros d'Ouze Travaux. Mais la surdétermination astrale sert surtout de vecteur à l'immortalité qui attend aussi le prince. Il initie ainsi à Rome une nouvelle théologie du pouvoir, certes déjà théorisée par Cicéron dans le Songe de Scipion, mais qui fera long feu, on va le voir. Les éléments mis en relief dès la figure d'Auguste vont se retrouver des siècles plus tard dans celle de Louis XIV. On fait un saut donc de quelques siècles pour se retrouver au milieu, on va dire, du XVIIe siècle avec Louis XIV, qui ne connaissait peut-être pas les res gestae d'Auguste.
Ces res gestae, en fait, n'ont pas, ça n'est pas un texte qui a été édité comme ont pu l'être les autres textes d'auteurs de l'Antiquité. C'était une inscription, en fait, et ça, c'était une inscription qui s'est présentée, qui s'est transmise comme ça, d'ailleurs. Inscription imposante, en bilingue, inscription avec une face en grec, une face en latin, pour qu'elle puisse être lue par tous les sujets de l'Empire, inscriptions qui se sont multipliées sur tout le territoire roumain. En revanche, Louis XIV connaissait bien le poète Ovide et ses métamorphoses, si l'on se fie à la place de choix que ce poète occupe dans les livres qu'il avait choisis avec d'autres à l'usage du dauphin, Ad Usum Delphini. C'est une collection de livres à laquelle s'est intéressée la critique depuis quelques années et a publié pas mal d'ouvrages qui permettent d'avoir une meilleure vue sur l'intérêt des rois pour l'éducation de leurs descendants, par exemple. Alors, j'ai trouvé l'image de l'édition qui avait été utilisée au XVIIe siècle par les maîtres pour former le dauphin. C'est l'édition Crespin, l'édition Crispinus, en latin, dont vous verrez la vignette. Je n'ai pas trouvé d'exemplaire de cette édition dans la bibliothèque de Montpellier, mais nous avons conservé un manuscrit des Métamorphoses d'Ovide dans le fond ancien. C'est un manuscrit du XIIIe siècle, dont vous voyez à l'écran le folio 9 recto. Et vous voyez aussi que le texte d'Ovide est commenté dans les marges et même par des glosses aussi interlinéaires, ce qui montre que ce qui prouve bien que cette lecture s'est accompagnée d'une dimension herméneutique, d'une dimension d'exégèse qui a traversé les siècles. Pour en revenir à Louis XIV, bien entendu, c'est le roi soleil. Et son identification au soleil n'est pas sans rappeler d'ailleurs l'intérêt d'Auguste pour la figure solaire d'Apollon. Cela dit, Louis XIV n'innove pas en se référant à l'Antiquité, en exploitant les mythes pour signifier sa grandeur. Depuis plus d'un siècle, les demeures royales traduisaient sur le mode mythologique la puissance du souverain. Dans ses programmes décoratifs, Ovide n'était pas loin sans que son texte fût suivi à la lettre. À Versailles, a écrit Jean-Pierre Néraudeau, pour exprimer l'idéologie solaire, si antique, si mystérieusement liée à des spéculations ésotériques, il est apparu comme le meilleur interprète. Depuis le début de son règne, Louis XIV, qui cherchait précisément à s'assimiler aux dieux du paganisme, se laissa représenter sous une apparence divine. Tout jeune, il fut peint en Jupiter, été vainqueur de la Fronde, mais c'est évidemment Apollon qui lui prêta le plus souvent ses attributs solaires ou poétiques. Je vous propose une vignette avec la couverture d'un livre que Toudouze consacre au roi soleil. Et dans une représentation en fait du roi sur la première de couverture qui est intéressante et un peu qui se retrouve ailleurs, avec une sorte de soleil mais qui est derrière la statue équestre et du coup qui nimbe toute la scène de rayons d'or. Donc bien entendu, c'est la dimension immédiate que cette figure apollinienne du roi Louis XIV. Mais le XVIIe siècle ne connaissait pas que la figure d'Apollon parmi les mythes. Il connaissait en tous les cas, parmi les auteurs de la littérature latine, un auteur relativement peu connu, Macrobe,
qui a écrit d'ailleurs un commentaire au fameux songe de Scipion que j'ai évoqué tout à l'heure, qui a vécu à la fin du IVe siècle, au début du Ve siècle, et qui a théorisé une théologie solaire qui ramenait en fait tous les dieux à l'image apollinienne. Alors il faut dire aussi que depuis le IIIe siècle était apparue dans l'Empire romain une divinité solaire qui portait le nom de Sol Invictus, soleil invincible, qui reprenait des éléments de la mythologie apollinienne, bien entendu, mais aussi du culte de Mitra, ce culte de Mitra avait énormément de succès dans les premiers siècles de notre ère. Et ce soleil invincible était à l'honneur, en particulier parmi l'armée. Jouissait d'une grande popularité dans l'armée. L'empereur Aurélien, dans les années 270-275, fait de cette nouvelle divinité le protecteur de l'Empire romain, en plaçant la fête officielle à l'honneur de ce nouveau dieu, ou Dies Natalis Solis Invicti, hein, c'est le jour anniversaire du soleil du Sol Invictus, le 25 décembre, qui était à cette époque le jour du solstice d'hiver. Donc c'est une date qui avait déjà sa signification dans l'Empire, dans le calendrier romain, mais qui était ici associée à un phénomène astronomique qui a été choisi pour ces deux raisons, pour en faire une fête en l'honneur du Sol Invictus. Bref, la place faite au soleil dans les écrits de Macrobe un bon siècle après s'intègre et se justifie dans un cadre politico-religieux qui remonte à Aurélien. Cet énothéisme solaire, comme on peut l'appeler, n'efface pas pour autant la spécificité de certaines figures mythologiques, même si, on le voit, les frontières entre elles deviennent poreuses. Et d'ailleurs, c'est encore le même Macrobe qui justifie la place donnée dans la propagande, en fait, à Hercule. Et Louis XIV, comme ses prédécesseurs, s'est souvent rapproché de ce héros civilisateur. Dès sa naissance, les prophéties de ses exploits développent ce rapprochement, et je vous ai proposé un passage d'un texte anonyme qui commence par imitation et amplification, et qui est très, très suggestif. Les monstres se verront abattus sous les lois et sous le coup fatal d'un Hercule gaulois. On aura vu tomber un grand nombre de bêtes, Cerbère à triple gueule et l'hydre à mille têtes. Le lion qu'envoya l'infidèle croissant, le corps de la chimère en dragon finissant, les taureaux, pieds d'airain qui gardaient la Colchide, tous auront été vus défaits par notre Alcide. Vous voyez là à la fois le rappel des travaux d'Hercule et l'identification de Louis XIV à Hercule. Dans les années 1680, les fleurs de ces programmes sont devenues des fruits et dès lors se multiplient les éloges et les apothéoses. Certes, d'autres héros, d'autres demi-dieux mythologiques auraient pu être choisis. Mais la philosophie antique s'était déjà beaucoup intéressée à la figure d'Hercule, s'était déjà emparée du mythe. Et l'idéologie impériale, on l'a vu avec discrétion avec Auguste, l'a accaparée. On a vu le buste que s'était fait faire Commode, mais avant lui, les empereurs Caligula, Néron, Domitien et Trajan même se sont présentés comme des avatars d'Hercule. Macrobe, encore lui, écrit « Mais Hercule non plus n'est pas étranger à la nature du soleil, car Hercule est le pouvoir du soleil qui donne au genre humain la force qui l'élève à la ressemblance divine. »
Et donc, c'est cette, en fait, le soleil est ce qu'il est, mais Hercule sert de médium, en fait, entre l'humanité et le divin. Ce passage, en tous les cas, fonde une théologie que reprend Louis XIV. Le roi soleil peut être aussi bien Hercule pour la simple raison qu'il est soleil. Ainsi, se rencontrer dans cette théologie du pouvoir de Louis XIV, le logos cosmique et son interprète en une seule et même personne, celle du roi. La théologie du pouvoir qui associe le roi à Hercule est précoce, en tous les cas, bien antérieure aux années 1670, comme certains ont pu le dire. Et du reste, on a un opéra, Ercole amante, Hercule amoureux, qui avait été commandé à Cavalli par Mazarin, qui a été joué en 1662 pour célébrer les noces de Louis XIV et de l'infante d'Espagne Marie-Thérèse, noces qui devaient sceller la paix des Pyrénées, signée 3 ans plus tôt. La figure mythologique est encore plusieurs fois représentée dans les jardins de Versailles, comme cette statue de Nicolas Coustou, intitulée Hercule Commode, en une boucle en fait, qui ramène au prince de la fin du second siècle. À son tour, le choix précisément de Versailles, rendu officiel en 1682 comme résidence pérenne du souverain, de la cour et du gouvernement, s'est accompagné d'une vaste campagne de peuplement sculpté des jardins, notamment à œuvres antiques, réputées telles ou encore en copie de l'antique. Le rappel de la grandeur passée était un véritable enjeu du pouvoir pour Louis XIV, comme pour les souverains de son temps. L'antique était susceptible d'exprimer la richesse et la puissance et aussi de soutenir une légitimité politique qui s'ancrait alors dans la tradition gréco-romaine. Bref, en lointain épigone d'Auguste, Louis XIV incarne à son tour les 3 spécificités propres à la figure d'Hercule mais est médiée par celle d'Auguste, son statut ontologique, c'est non seulement sa devise, Nec pluribus impar, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs le titre d'Augustus, et qui plaçait le roi au-dessus de l'humanité moyenne, mais c'est encore le sacre qui faisait du roi une sorte d'intermédiaire entre Dieu et ses sujets. Un intermédiaire direct, est-il écrit, de droit divin, c'est-à-dire en dehors de la hiérarchie ecclésiastique. Ces travaux, en fait, deuxième spécificité, générateur de paix et de culture, il s'agit des guerres que le roi de France a menées pendant toute la durée de son règne pendant les 40 ans, comme il est dit sur le fronton de l'Arc de Triomphe de Montpellier. Essentiellement les guerres de Hollande dans les années 72-78 contre la Ligue d'Augsbourg dans les années 88-97, dans la guerre de succession d'Espagne dans les années 1702-1713. C'est ce qui est célébré sur les Arcs de Triomphe qui se multiplient à son époque. Quant à son devenir après sa mort, il n'est plus question à l'aube du XVIIIe siècle d'évoquer une quelconque apothéose quand on est le nonce. Les artistes ne sont pas fait faute de représenter l'apothéose de Louis XIV. Mais il reste que la conclusion de l'éloge funèbre du roi personnellement adressé par le nonce au pape Clément XI, mérite d'être cité. Je lis, « Toute qualité digne de former le parfait modèle d'un grand roi, et si l'on y ajoute sa constance dans la religion, dans la confession dans laquelle il est mort,
à peine moins suffisante que je ne l'ai dit à nous donner l'idée d'un roi saint. Du moins, ces qualités le feront-elles vivre les siècles à venir dans l'histoire, où l'on aura de la peine à trouver son égal. Ces dons feront que son nom, In benedictione eri, sera donc béni auprès de tous les hommes de bien. Dans cette phrase, l'idée de sainteté, mais surtout de perpétuité du souvenir, donne au roi défunt un souvenir différent d'eux et supérieur à celui de Vulgum Pecus, bien entendu. La perpétuité du souvenir est d'ailleurs une forme d'immortalité, celle qu'Ovide revendiquait pour lui-même à la clôture de ses métamorphoses et qui faisait de lui le poète, l'égal du prince et même au-dessus du prince, si on lit bien les derniers vers des métamorphoses. Écoutons-le. Mon nom ne périra jamais. Dans tous les lieux ouverts par la victoire à la puissance romaine, mes vers seront lus. Et si les pressentiments des poètes ne sont pas trompeurs, je vivrai par la gloire dans toute la durée des siècles. Sur le plan artistique, comme je le disais à l'instant, eh bien, on continue à représenter le roi sous une forme de dieu, même avant sa mort. Et le dernier document figuré que je voulais vous montrer, c'est le vase de la paix qui a été réalisé en marbre en 1684 par Jean-Baptiste Tuby. Il est situé sur la terrasse du château de Versailles face à son homologue, le vase de la guerre. En écho avec les inscriptions des Arcs de Triomphe, il célèbre les traités qui assurent la paix entre la France, l'Espagne et la Hollande par les traités justement d'Aix-la-Chapelle et de Nimègue. Donc on a l'iconographie de ce vase qui nous renvoie en fait à l'iconographie que nous avons vue par ailleurs. Le roi, la tête laurée, habillée, donc, dont on voit la physionomie à travers un voile qui apparaît très fin, est habillée à l'antique, étend la main vers la sculpture d'un homme nu qui s'appuie à un arbre et qui tient de sa main droite la massue, si bien qu'on peut reconnaître la figure d'Hercule, même si le tissu qui est noué autour de ses hanches ressemble fort peu sur cette représentation à la peau d'un lion. Bref, à travers le mythe d'Hercule sur l'Arc de Triomphe de Montpellier et ailleurs, se décide un continuum de l'Antiquité à l'ère classique. Comme Auguste bien avant lui et d'autres après lui, le roi Soleil attache une grande importance à l'art comme expression d'une politique, de sa politique et de sa grandeur. Les monuments ont toujours été l'expression des structures sociales et politiques de leur époque. Les aspects du pouvoir s'y reflètent plus ou moins et les puissants du jour ont cherché à y imprimer la marque de leur grandeur. De toutes les formes d'expression, le mouvement politique est bien entendu une des celles qui sert le mieux l'action politique et notamment la propagande. Les divers régimes, aussi bien les démocraties que les dictatures, se sont efforcés d'ériger des œuvres consacrées à l'exaltation des mérites de leur système politique, à la commémoration des grands événements de leur temps et à la louange de leurs dirigeants. S'agissant de la figure mythologique d'Hercule, elle se décline, j'ai essayé de le montrer, dans un jeu de réflexivité, si on peut dire, à travers des miroirs quelque peu déformants. L'Hercule réinvesti par Auguste sera adopté et transformé à son tour par Louis XIV. Mais les deux
dirigeants, ils chercheront la même chose. L'affirmation d'une nature suprahumaine, la supériorité extraordinaire de leur action politique ou guerrière, et le devenir par l'apothéose après la mort, c'est-à-dire en fait une immortalité divine ou astrale. C'est bien ce que célèbrent les recours au mythe sur les médaillons des Arcs de Triomphe de Montpellier comme de Paris. Ils chantent une conquête totale au terme de la carrière, une carrière, c'est un peu trop vulgum pecus, du roi Louis XIV. Chemin faisant, à travers ce parcours, à travers les siècles, j'ai essayé aussi de faire découvrir peu de choses, fort peu de choses, et c'est dommage, que nous avons conservé à Montpellier. À travers, en effet, ce parcours pluriséculaire, eh bien, j'ai eu l'occasion de faire connaître donc une statue d'Hercule conservé au musée des Moulages, un manuscrit du XIIIe siècle qui nous montre que nous sommes les héritiers aussi de ces dizaines de siècles qui ont vu des grands noms, mais qui ont vu aussi des grandes disparitions. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. Et je tiens à remercier vivement le professeur Bacouche pour sa communication, qui effectivement m'a fait découvrir beaucoup de choses. Je n'ai bien sûr pas les résumés, mais je n'avais pas capté à ce point-là l'influence d'Hercule, bien sûr, sur le pouvoir politique, et peut-être est-ce toujours d'actualité aujourd'hui. Je vous remercie et vous souhaite, bien sûr, de revenir à nos prochaines séances, enregistrées, filmées ou en vidéo, et en présentiel, je l'espère.